Hello les amis, dans une précédente vidéo, j'expliquais comment, avec une chashka, on changeait la position de la main avec une seule main sur une arme. Je me suis dit que ça pouvait servir aussi dans le travail du jo et du bâton en général. Donc ça va être la même chose, ici, hop, on va laisser glisser. Ici, je vais laisser descendre et passer mes doigts de l'autre côté ici. Hop. Hop, et je suis à l'envers. Et là, je vais pouvoir frapper le talon. Et si je veux changer, je vais replacer pouce et index de l'autre côté de l'arme, comme ceci. Hop, et je vais pouvoir faire tourner comme ceci pour récupérer. Ici, hop, voilà. Et puis pouvoir changer. Imaginez, vous êtes ici. Hop, hop, paf, vous voulez changer. Ici, paf. Ici, vous êtes ici, hop, hop, vous voulez changer, bam. Et ici, revenir sur une frappe plus la main dans ce sens. Ok, donc voilà une possibilité. Voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas rajouter cette compétence à votre travail. Les Cosaques étaient ambidextres et s'entraînaient des deux mains parce qu'en cas de blessure, ils pouvaient combattre de l'autre main. Et alors. On n'a pas toujours la possibilité de changer de main de changer la position de sa main en s'aidant de l'autre main. D'où l'intérêt que ça peut avoir ici d'être capable de changer selon ce qu'on doit faire. Ici, là, là. Ok, ça marche. Donc ici, je remonte, laisse tomber, pouce index du même côté. Ici, hop. Hop, hop, voilà. Et pour la récupérer, je pousse index de l'autre côté, ici, et je laisse le ballon de l'arme faire le reste. Ça marche? Allez, bon courage, bonne manipulation.